David Denis-Hertz. Bonjour Manuela. Bienvenue parmi nous. Merci de l'invitation. Mais je vous en prie. Et nous allons parler aujourd'hui de votre premier roman, Profession chaman d'entreprise. Donc un roman tout à fait passionnant. J'aimerais que vous nous disiez un tout petit peu plus, qu'est-ce qui vous a au fond poussé à l'écriture ? Oula, c'est une longue histoire. L'écriture, elle est venue me chercher. Généralement, ce n'est pas une décision qui fait qu'on se mette à écrire. C'est l'écriture qui nous tombe dessus un beau matin. J'ai commencé par écrire des pièces radiophoniques, des nouvelles, des choses de ce type-là. Et puis, avec l'âge plus mûr, j'ai eu envie d'écrire quelque chose qui faisait le lien entre ce que j'ai découvert de la vie professionnelle et de la vie personnelle et de les mettre ensemble dans un roman qui décrit un parcours. Dans votre premier roman, vous abordez plusieurs thèmes. Quels sont les thèmes qui, pour vous, je dirais, sont les plus importants, disons, les points culminants de votre roman? Est-ce que vous en avez deux ou trois que vous aimeriez partager avec nous? Mais je pense que ce roman, il cherche à créer des ponts. Principalement, c'est de montrer comment on peut faire le pont entre le monde très, très concret, matériel, financier, puisque, à la base, le personnage principal est un consultant, donc il connaît bien le monde des entreprises. Donc c'est faire le lien entre ce monde-là et le monde beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin, qui est le monde de l'intangible, dans lequel on va trouver des éléments liés à l'intuition, des éléments liés à l'intelligence émotionnelle notamment. Vous êtes chef d'entreprise, donc dans la société Wakan. Est-ce que vos personnages, pour parler un tout petit peu plus des personnages de votre roman, sont des gens dont vous vous êtes inspiré autour de vous, ou c'est des gens totalement imaginaires ? Alors la plupart des personnages sont des personnages que j'ai rencontrés dans la vraie vie. Alors j'ai évidemment changé les histoires, les noms, les sexes, pour qu'on ne reconnaisse pas forcément de qui il s'agit. Mais l'inspiration, elle vient de là. Mais en fait, il n'y a pas que des personnages comme des collègues, des clients. Il y a également deux autres types de personnages qui interviennent dans ce livre. Les premiers, ce sont des archétypes qui apparaissent sous forme d'animaux ou de personnages particuliers. Je pense notamment aux guerriers, aux guérisseurs, à l'enseignant et aux visionnaires. Et ils apparaissent dans le livre pour aider le protagoniste, le héros, à ce qu'il vive et rencontre sa mission. Et il y a une troisième catégorie de personnages qui sont des esprits, si je peux les appeler comme ça, des êtres qui ne sont plus incarnés, qui sont des êtres de la famille du personnage principal, et qui viennent également, souvent durant les rêves, influencer le devenir du personnage principal pour l'aider à ce qu'il rejoigne sa destinée ou sa mission. Votre roman est si intéressant, il y a un certain nombre, j'en ai beaucoup parlé évidemment autour de moi, un certain nombre de personnes qui seraient ravies de le lire en anglais. Est-ce que vous avez un projet dans ce sens ? Alors c'est intéressant que vous m'en parliez. On est au Salon du Livre, ici à Palexpo à Genève, et curieusement, je commence à avoir des demandes pour que ce livre existe en anglais, donc je suis en train de prendre des contacts. Vous voyez, quand on parle de l'intangible ou des choses qu'on n'a pas prévues, je me rends compte que la vie fonctionne beaucoup comme ça. Quand on a un but, l'idée c'est de ne pas avoir un but conscient, mais de laisser agir les choses pour que la réalité qui est juste se manifeste. Donc si ce livre doit être un jour traduit en anglais, eh bien ça le sera en tout cas. C'est un beau projet. Vous savez, c'est incroyable ce que vous dites, parce que j'étais en train de penser qu'en fait, finalement, les deux sujets phares, parmi beaucoup qui sont dans votre roman, sont l'intuition et l'amour. On va d'ailleurs tout de suite voir un tout petit extrait. Vous parliez d'intangible et d'intuition et cette forme de lâcher prise, si je peux résumer ce que vous venez de dire. Au fond, plus on lâche, plus les choses se font. En écoutant notre intuition, qui au fond, intuition pourrait traduire par enseignement intérieur. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Alors oui, il y a un enseignement intérieur qui nous vient par l'intuition, mais contrairement à ce que beaucoup de personnes font, tout d'un coup l'intuition, elle est là. Les gens n'ont pas besoin de faire de cours ou de séminaires pour développer leur intuition, pourrait-on dire. Donc en fait, l'intuition est déjà là. La difficulté, c'est qu'on... Un, c'est qu'on ne l'écoute pas, et deux, c'est qu'on n'est pas très très précis sur qu'est-ce qu'on lui demande. Donc le travail qui est fait avec les clients,
le, il y a beaucoup d'exemples dans le livre, il consiste à identifier la bonne question, question à laquelle on n'a pas eu de réponse par l'esprit rationnel et logique. Donc on va identifier la bonne question, et ensuite notre intuition, qui est notre voix intérieure, qui est notre guide intérieur, d'où les personnages différents qui interviennent, vont nous inspirer dans une direction qui semble répondre parfaitement à la question. Alors, moi je vais juste lire un tout petit extrait de votre livre, donc c'est le chapitre 37, hein, qui s'appelle « Amour, pardon et conscience ». On est en plein dans le thème là. Quoi de plus important ? Tout à fait. Alors, me voilà invité dans un salon de professionnels du conseil sur le thème du changement. Le titre de l'événement s'intitule « Manager, le changement ou changer le management ». Les organisateurs, intrigués par mes approches intuitives, m'avaient invité à côté d'autres consultants et professionnels de grandes organisations qui avaient implanté des changements durables avec diverses techniques novatrices, alliant l'intelligence collective, la systémique, des méthodes de sociocratie, voire l'holacratie comme nouvelle règle de communication et de gouvernance. Une émulation existe entre nous et je sens aussi, de manière inaudible mais tendue tout de même, une sorte de compétition entre chaque expert qui espère convaincre l'auditoire. Est-ce que quand on est dans ces thèmes de coaching, puisque vous êtes un coach certifié, un chef d'entreprise, est-ce qu'il y a cette forme de compétition où les choses se font dans la bienveillance et le respect ? Ah, c'est une très bonne question. Je crois que beaucoup de mes confrères et de mes consoeurs sont, pour certains, inquiets de la compétition. Beaucoup de personnes me disent « Mais comment peux-tu avoir une école de coaching et donc tu formes tes concurrents ?» Et moi, je crois moins au problème qu'est la compétition ou la concurrence, parce que je pense que et beaucoup de mes confrères sont heureusement dans cette ligne de pensée, sont beaucoup plus dans la bienveillance et l'altruisme. Et je crois qu'il y a une telle demande d'accompagnement de tous ordres pour diriger sa vie, pour avoir peut-être des meilleures solutions durables, d'où le thème du changement, d'avoir vraiment des solutions. Il y a eu du coaching pour aider à être plus performant, il y a eu du coaching pour aider à plus de bien-être. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent beaucoup plus de questions sur eux-mêmes, sur la conscience de qui ils sont. Et on pourrait encore ainsi continuer. Ça fait plus de 20 ans maintenant que 20, 25, 30 ans que le coaching existe. Et je suis convaincu que le coaching n'est pas une mode, mais va encore se développer. Et donc, il y a de la place pour tout le monde. Et il s'agit de se rappeler qu'avant tout, l'être humain et l'enfant est avant tout altruiste et bienveillant. Et c'est la compétition qui crée le sentiment de séparation et de dissociation. Donc je pense qu'on doit réapprendre à travailler avec l'intelligence collective, à travailler ensemble. Et du coup, il ne s'agit plus de compétition, il s'agit d'adaptation, de manière de fonctionner à plusieurs. Alors, ça tombe très bien ce que vous dites, parce que j'ai une question à vous poser. Vous êtes coach, vous êtes chef d'entreprise. Nous sommes ici pour parler de votre premier roman « Profession chamane d'entreprise ». Et j'ai envie de vous tester comme coach. Je peux ? Parce qu'on est en live, entouré de monde, ça m'intéresse. Depuis que je vous côtoie, ça fait quelques semaines maintenant, entre les différentes interviews, nous avons aussi appris à communiquer par rapport à ce que vous faites, aussi bien en tant que chef d'entreprise qu'en tant qu'auteur. J'ai l'impression que mon intuition à votre contact s'est décuplée. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que vous avez un truc ? Il y a un aura ? Est-ce que c'est simplement le fait d'en parler ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, je pense que c'est le principe même de la synchronicité. Vous savez, si moi je vous parle de VV coccinelle, ouais, on n'en voit plus tellement en ce moment, je peux vous garantir que dans les 3 jours qui vont venir, parce qu'on parle de VV coccinelle, ouais, vous allez en voir plus. Donc c'est porter son attention plus sur quelque chose parce qu'on en entend parler. Exactement. Donc le simple fait que, en lisant mon ouvrage, vous vous ouvrez à une intuition que vous aviez déjà, parce que tout le monde a de l'intuition, et que vous vous posez un certain nombre de questions, et bien votre intuition va non seulement venir vous visiter plus souvent, mais surtout vous allez être plus consciente de cette intuition qui vous visite. Donc je dirais qu'il n'y a rien de nouveau, si ce n'est que votre conscience, elle s'est refocalisée. Et on est bien dans les principes
quantique, quelque part, où d'un côté, on se pose d'abord les questions, c'est-à-dire qu'on ouvre le champ du possible, et dès le moment qu'on a ouvert le champ du possible, donc on est dans l'intention, eh bien, on va ensuite focaliser son attention pour que ça puisse se manifester. Et finalement, c'est ce que vous faites. Depuis le moment où l'on parle, votre intuition s'active, des questions arrivent, et comme vous êtes en train de manifester ou de chercher à manifester votre intuition, eh bien, des réponses sensées, tangibles, vous parviennent plus facilement. Mais on peut dire qu'avant, en fait, il se passe, alors dans mon cas, mais dans le cas de n'importe qui, finalement, on le fait de façon inconsciente, et maintenant, moi, je le fais de façon consciente, et toutes les personnes qui viennent vous voir chez Wakan le feraient également de façon inconsciente, dans un premier temps, et finalement vous ouvrez des portes, des fenêtres, et la conscience même en disant « Ah mais au fond, c'est évident, je le savais ». Vous parliez de synchronicité tout à l'heure, ça marche un petit peu de la même manière. Quand on commence à prendre conscience que le hasard n'existe pas, mais finalement on est conscient de ce qui se passe autour de nous, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on entend, qu'est-ce que la synchronicité, ça marche comme l'intuition finalement, c'est pas la même chose, mais conscient, inconscient, est-ce qu'on peut faire des similitudes par rapport à ça ? La synchronicité sont des hasards qui ont du sens. C'est ça. Et finalement, conscient, inconscient, moi je dirais qu'avec l'intuition, vous allez taper dans une zone qui est entre le conscient et l'inconscient. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en travaillant avec un coach, en travaillant avec votre intuition, vous allez gagner en efficacité. Parce qu'on pourrait se poser la question, cette intuition, moi, comme vous le disiez, je suis chef d'entreprise, je travaille avec toutes sortes de personnes, ça sert à quoi ? Eh bien, ça aide les personnes qui sont intéressées par cette démarche à avoir des réponses, à prendre de meilleures décisions, à comprendre pourquoi il y a une dynamique que je ne comprends pas, qui est cachée. Donc finalement, ça vous permet d'être beaucoup plus pertinente, efficace, connaissante par rapport à un thème donné. Or généralement, quand on est pris soit par la logique, soit par l'émotion, eh bien on va se perdre dans beaucoup d'éléments qui nous parasitent en quelque sorte. En parlant d'intuition autour de moi, hein, depuis que, évidemment, j'ai lu votre livre, qui est passionnant, hein, « Profession chamane d'entreprise », à lire et qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies, vraiment, j'ai pas réussi à décoller, j'ai fait 4 jours d'affilée, hein, donc simplement. Maintenant, la question que je me pose, et que beaucoup de gens m'ont posé en parlant d'intuition, me disent « Oui, mais moi, je suis tiraillée, c'est quelque chose de très fort, entre ma logique, mon mental, et ce que je ressens. Donc, je peux entendre des milliers de choses autour de moi, mais au fond, mon intérieur, donc mon intuition, me dit l'opposé. On fait comment dans ces cas-là ? Oui, ça c'est une excellente question. Je ne sais pas si à la caméra on voit, j'ai des chaussures à lacets. J'ai des chaussures à lacets. Et le fait d'avoir des chaussures à lacets, vous voyez, je peux essayer d'attacher ma chaussure avec ma main gauche qui serait mon cerveau gauche, ma logique. Mais j'y arrive pas avec une seule main. Et puis si j'essaye d'attacher ma chaussure avec ma main droite, je n'y arrive pas non plus. Donc c'est bien la combinaison des deux. Et le problème, c'est qu'on est tous des intuitifs naturellement, mais on a perdu cette faculté qu'on a depuis toujours. Donc moi, je cherche juste à faire la même chose que ce qu'Einstein nous proposait. Donc je suis très très loin d'Einstein, mais Einstein disait que le mental intuitif est un don sacré. Il continuait en disant le mental rationnel est un serviteur fidèle. Le problème, c'est qu'on a créé une société qui honore le serviteur et oublie le don. Donc, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est montrer qu'on peut relier ces deux mondes. Il ne s'agit pas d'utiliser plus que l'intuition et d'oublier la raison. Il s'agit de marier les deux. On va rester avec une conscience de ce qu'est le monde, du besoin de répondre à des questions très très concrètes. Donc on va continuer à avoir besoin de décider, d'agir rationnellement. Mais la source d'inspiration, elle, se trouve dans quelque chose qui est beaucoup plus profond, dans quelque chose qui est beaucoup plus intérieur. Et avec l'intuition, avec les archétypes, avec peut-être l'accès à un monde plus intangible, eh bien on y a accès.
on est guidé par notre intuition, donc on reçoit des messages intuitifs, hein. On peut la ressentir physiquement, si c'est négatif ou positif. Est-ce qu'il y a d'autres aspects dans ce qu'on ressent ? Ça veut dire, par exemple, on est guidé par quelque chose, mais au fond, il y a plein de choses vers lesquelles on doit se battre. Ça veut dire nos peurs, nos obstacles, notre entourage, notre éducation. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Quelles sont les armes qu'on a à disposition, ou les outils plutôt, parce qu'on n'est pas en guerre avec nous-mêmes, mais on essaye de se débattre quand même par rapport à ça. Je trouve que c'est intéressant, même si vous parlez d'armes et que vous retirez le mot juste après, parlant d'outils. Oui, c'est une forme de bataille. Hein, oui, c'est une forme de bataille. C'est-à-dire que quand on a un souci, un problème, l'être humain, il a tendance à vouloir se débarrasser du problème. Alors que les cultures plus bouddhistes, notamment, nous apprennent que la règle d'or serait d'être capable d'observer et non pas de commencer à agir. Donc, à agir pour vouloir changer les choses. Parce que par l'observation, on peut commencer à changer les choses. Si je peux, une anecdote personnelle, il y a quelques années, j'avais des problèmes de dos et de sciatique, et une nuit, je n'arrivais plus à dormir. Et j'ai passé une nuit, deux nuits, trois nuits, en me retournant dans tous les sens, jusqu'au jour où je me dis, mais à force d'essayer de prendre des médicaments qui n'avaient aucun effet, et d'essayer d'éviter ce problème, le problème ne disparaissait pas. Donc je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je change de stratégie. La seule chose que j'ai fait, c'est observer où était la douleur, à quoi ressemblait cette douleur. Et la provenance de la douleur, hein. Même pas la provenance, juste d'être en contact avec elle pour avec me rendre corps. Compte qu'elle n'était pas diffuse, elle était très localisée. Et quand j'ai fait ça, eh bien, je me suis endormi quelques minutes après. Donc ça me montre que l'observation permet d'entrer, de faire corps avec la situation, éventuellement avec le problème, et en fait, de le dissoudre. De les dissoudre par la non-action et le dissoudre par le fait qu'on va être en contact avec une réalité plus grande que la cause du problème. C'est une forme de méthodologie holistique. Hein, C'est totalement une méthodologie holistique. Je pense que le mot est bien choisi parce qu'on doit travailler avec l'esprit, on doit travailler avec les émotions, avec le corps, avec notre mental rationnel, avec l'intelligence collective, avec les autres. Je pense que c'est la combinaison de toutes ces formes d'intelligence dont j'ai voulu faire la présentation dans ce livre pour montrer qu'on peut se transformer personnellement, mais qu'on peut changer le monde qui est un peu dur, le monde des organisations, le monde des entreprises. On peut le changer pour un monde meilleur, pour autant que l'on prenne en compte les différentes formes d'intelligence et pas uniquement la logique. En tant que chef d'entreprise que vous êtes chez Wakan, j'ai une dernière question. Comment est-ce que vous faites pour faire entrer dans le monde tangible de l'entreprise la compétence de l'intuition chez les leaders, mais pas que? Bien, je me suis posé la question il y a quelques années en me disant, est-ce que j'ose faire ça? Et finalement, ce qui m'a poussé à le faire, c'est que chaque fois que j'en parlais autour de moi, mais quand je dis autour de moi, c'est dans les entreprises, je rencontrais Monsieur Dupont, Madame Durand, qui, au plan personnel, étaient intéressés à découvrir des aspects d'eux-mêmes, mais n'osaient pas en parler dans le monde de l'entreprise. Mais tout le monde, comme vous et moi, sommes des êtres humains avec les mêmes questionnements personnels, philosophiques, stratégiques, concrets. Eh bien, une entreprise, c'est une personne morale faite de personnes physiques. Ben, les personnes physiques, je me suis rendu compte qu'elles se posent les mêmes questions que moi. Tout le monde n'a pas le même intérêt, bien sûr, mais beaucoup de personnes se posent aujourd'hui, au XXIe siècle, à peu près les mêmes questions de qui sommes-nous, vers quelle destinée allons-nous. Alors, nous avons le personnage principal qui est François, on a son guide. Quels sont les autres personnages, peut-être deux ou trois, citez-nous-en deux ou trois, qui sont importants, et je finirai sur cette question. D'accord. Donc, il y a des guides qui sont des personnes qui ont existé ou qui n'existent plus et qui nous ont inspirés. On pourrait dire que c'est un guide sous forme de visionnaire. Il nous donne une certaine vision. Mais on a d'autres personnages qui sont dans le livre. Le feu de la passion, par exemple. La passion nous aide à soigner, à guérir de certaines souffrances. On a le sage, l'enseignant, qui nous aide à prendre du recul, à prendre le temps, à être plus prudent quand on est en période de confusion. Mais on a aussi le guerrier, qui sont aussi des personnages de ce livre,
qui eux vont se positionner de manière ferme parce qu'ils sont totalement ancrés dans leur intégrité, leur responsabilité. Donc, ce sont tous des aspects de nous-mêmes, finalement. Il s'agit d'aller entrer en contact avec des aspects de nous-mêmes qui peuvent devenir des sources d'inspiration, et on en verra le reflet autour de nous, dans les films, dans les livres. Les héros sont toujours, ils appartiennent toujours à une catégorie d'archétypes. Donc il s'agit de redécouvrir chez soi quelle est ma famille d'archétypes à laquelle j'appartiens et qui peut me guider. David Denis Hertz, merci infiniment pour ce moment de partage au Salon du Livre à Palexpo. C'est un plaisir. Donc, Profession chaman d'entreprise, votre premier roman.